Lancement officiel ce matin rue Frébeau de la deuxième édition de la foire régionale de Pointe-à-Pitre. Un véritable centre commercial à ciel ouvert jusqu'à samedi. L'objectif déjà, c'est de montrer la volonté de la ville de faire une animation particulière, pérennisant chaque année pour que la ville se retrouve en fait avec ses acteurs économiques. Cette année, plus de 200 commerçants participent à l'opération. L'occasion pour ces derniers de renflouer les caisses en procédant à une vente au déballage de nombreux produits à des prix intéressants. On voit qu'il y a énormément de monde sur cette foire de Pointe-à-Pitre, donc nous sommes heureux. Bon, on attend encore du monde pour profiter de ce que je leur propose, donc des orchidées, des plantes, des bromélias, mais tout se passe bien. Je crois que c'est une bonne chose que les commerçants puissent y participer, parce que ce serait les priver d'une action qui a coûté une certaine somme assez élevée. Donc c'est intéressant qu'ils puissent être présents. Pour la centaine de chefs d'entreprise, d'artisans invités, cette première journée de la deuxième foire régionale démarre timidement. Depuis ce matin, il y a beaucoup de clients qui passent pour regarder. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Mais comme ils ont lancé la foire de Pointe-à-Pitre, ça fait la deuxième fois, j'espère que ça aura des retombées. J'espère que ça pourra nous faire environ 5 à 10% sur le chiffre d'affaires. Les commerçants ont compris l'intérêt de la manifestation, ont joué le jeu et les gens se sont déplacés. Reste à eux aujourd'hui de suivre l'engagement qu'ils ont de poursuivre l'engagement qu'ils ont pris avec les partenaires. Depuis ce matin, de nombreux clients arpentent les rues Frébeau et Achille René Boisneuf à la recherche de bonnes affaires et à première vue, il y en a. Oui. S'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils vont trouver des trucs à 5 euros, 10 euros, donc ça va, c'est bon. C'est magnifique pour moi, et c'est super. Et donc, si ça se passe tous les années, c'est tant mieux. Hein. C'est super bien, il y a de bons prix. Comparé à certains endroits où je suis passée, j'ai trouvé de bonnes choses, j'ai fait de bonnes affaires. Alors, je la trouve très bien, surtout au niveau prix. Il y a là des magasins qui ont baissé, vraiment les prix à 5 euros quand même, c'est pas mal. Mais il y en a par contre, ils sont en train de profiter, quoi. Ils augmentent leur prix des chaussures. Et ça par contre, c'est un peu chaud, mais bon, mais quand même... ça va. Afin d'assurer la tranquillité des commerçants et des clients, la ville de Pointe-à-Pitre a mis en place un important dispositif de sécurité. Cette notion de sécurité, elle est importante. Normalement, toute foire qui se met en place doit avoir un service sécurité cadré, parce que la sécurité, elle est réglementée, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et si la sécurité n'est pas assurée, la foire ne peut pas avoir lieu. Mais nous avons l'avis favorable, donc ça veut dire qu'elle peut avoir lieu pleinement. La foire régionale de Pointe-à-Pitre se tient tous les jours jusqu'à samedi 20h. Des animations de rue, des jeux font aussi partie de l'opération.